C'est parti. Donc là, quand on arrive dans le parking, en général, c'est rangement bataille. C'est-à-dire, on se range en marche arrière. Alors, surtout quand on démarre, il faut regarder. On regarde si derrière, ils ont bien mis la ceinture. Ici, si on tourne à droite, on se met carrément à droite. C'est un sens unique, on se met à gauche. J'ai choisi le plus compliqué, d'accord? Et c'est un piéton, on laisse passer le piéton, mais on s'arrête encore au stop. Et le piéton, c'est une chose, le stop, c'est autre chose. On regarde bien à gauche, on regarde bien à droite, il n'y a rien, on est parti. Donc bien sûr on contrôle, n'est-ce pas monsieur Yuri? Monsieur il contrôle pas beaucoup lui. Il contrôle dans ton porte-monnaie s'il y a de l'argent, c'est tout. Et là on va toujours tout droit. Là ça semble facile, mais il y a des pièges. Lui il s'est fait avoir l'autre fois. C'est bien comme ça, non? Alors lui, il s'est fait avoir ici, regardez. On voit le sens interdit, là. Donc tu peux pas aller tout droit. Tu vois, Alberto, tu peux pas aller tout droit, donc tu tournes à gauche. Donc tu contrôles et tu tournes à gauche. Là, on va à gauche, c'est une sens unique. Surtout, on s'arrête. Faut pas mettre la première et je repars. T'arrêtes, tu comptes 1, 2, 3. On compte 1, 2, 3, il n'y a rien, on y va. On regarde bien, parce qu'avec les travaux, on ne voit rien. Attention, on passe en deuxième en général là. Bon, tous les endroits où il y a des pièges. Quand c'est comme ça, c'est facile. Il y a des endroits, il y a des pièges. Si on ne fait pas attention, je vais avoir. Alors quand on tourne à droite, tu vas prendre la première sortie à droite, tu peux mettre ton clignotant à droite. Et on sort tout de suite. Si on va en face, on ne met pas de clignotant, on met que pour sortir. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez demander. Hein. Ça, on n'a pas le droit de parler de ça. Ici, l'inspecteur, si c'est une femme, elle dit toujours, vous irez tout droit. Tout droit, ça ne veut pas dire aller dans le sens interdit. Il y a un sens interdit en face. Donc déjà, premièrement, dans la retour, on reste bien à droite. C'est pas la peine de vous balader à gauche. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a un sens interdit. Vous voyez les panneaux blancs là-haut, là. Ça, c'est sens interdit. C'est pas le droit de rentrer là. Lui, il est rentré l'autre fois. Et on continue le chemin. Il y a le piéton, bah forcément on va s'arrêter. Hein. Il attend le taxi. Et il attend le poulain, oui. Alors même quand le feu est vert, on lève le pied d'accélérateur. Là les piétons ils sont engagés. Là on laisse passer. Là c'est pizda et poulain en même temps ça. Le pizda il est bon la pizda. Ah, il est trop gros. Bon. Là c'est un rond-point, c'est pareil, on fait attention, là c'est priorité à gauche, des voitures qui arrivent là pour laisser passer.
un piège là-bas. Là. Il s'est fait avoir aussi. Parce que Yuri, il est déjà vu plusieurs fois, lui. Là, c'est priorité à gauche, on s'arrête, on laisse passer l'autobus. Et l'autre aussi, on laisse passer. Une fois qu'il n'y a personne, on y va. Il est à droite. Là, c'est 70, là où il y a l'autobus qui roule, là. Donc, il faut rouler un petit peu. Il ne faut pas rouler doucement en disant, je roule doucement, comme ça, ça va. Non. Là, ça s'appelle du cinéma, ça. Donc, il faut essayer de monter à 70. Comme je roule là, comme ça, il faut rouler. Là-bas, on rompt en bas à gauche. Donc, on va à gauche, on se met à gauche. Ok, monsieur Alberto. Toi, t'as pas beaucoup, t'as jamais conduit avec moi, toi. Comment ? T'as conduit, mais pas beaucoup. Là, quand on va à gauche, on se met bien à gauche. On reste pas à droite là-bas. Mais si on se balade comme ça, c'est pas bon. Le permis, il est pas bon. Et là, surtout les contrôles. Tourner la tête quand on sort. Et là, c'est 70. Soit il vous dit vous allez à Saint-Germain, c'est à gauche, soit il vous dit rien, vous allez tout droit. D'accord ? S'il dit Saint-Germain, c'est à gauche. Ok, Alberto ? Alberto ? Oui. Vous allez, tu dors là. Si on peut, mais la cinquième, si on peut pas, c'est pas la peine. Là, il va vous demander d'aller rive gauche. Rive gauche, ça veut dire que vous restez à droite. Ça ne veut pas dire que vous allez à gauche. Rive gauche, c'est le bord de la rivière. Il y a la rivière, il y a le côté droit, côté gauche. Là, on va prendre, regardez là-haut, c'est marqué sur le panneau, là-haut, Conflans, rive gauche. Ok ? Donc vous restez à droite. Vous ne rentrez pas là, compris ? Si je dis rive gauche, vous restez là. C'est pas la peine de rentrer si c'est direction Conflans, là vous rentrez à gauche. Et attention ici, regardez, plein de routes caractère prioritaire, ça veut dire que vous avez perdu la priorité. Et un petit peu plus loin, il y a un panneau qui dit double sens, ça veut dire qu'il y a des voitures qui arrivent en passe. Si les voitures elles arrivent en passe, ça veut dire que je dois rester sur la droite. Et non pas à gauche. Parce qu'il y a plein d'élèves, ils roulent à gauche. Ils arrivent là, ils roulent normal. Là, vous la voyez là, qui continue là. Vous la voyez là. Donc il faut rester à droite. Parce que si tu roules à gauche, c'est fini, c'est mort. Y compris derrière, tu ris. Ici, il y a un gros piège. Si on ne fait pas attention, regardez, vous le voyez le panneau stop là-bas ? Ouais. Et bien quand on arrive, des fois on ne le voit pas. Non seulement il y a un panneau stop sur la droite là, mais en plus il y a une route là-bas qui dit que c'est sans issue. Ça veut dire qu'on est obligé de tourner à gauche, il n'y a pas de route là-bas. Et le panneau ne s'arrête pas au panneau, ça s'arrête à la ligne. Donc là, stop. Ok ? Et là, on a mis 9 minutes, regardez. 9 minutes pour arriver là. L'examen, ça dure 30 minutes. Une minute, c'est fini. Hein. Et là, on peut y aller. Ah, il n'y a personne qui vous montrera ce que je vous fais là. Plus avec le film. Il n'y a aucune autre école qui fait que ce que je fais moi. Parce que moi, je suis Diablo. Moi, j'ai une mentalité un peu spéciale.
personne ne va vous faire ça. Un Roumain, même un Roumain, il ne va pas le faire. Parce que t'as des Roumains, ils vendent le permis, tout ça, tu vois. Ou alors ils essaient d'apprendre un petit peu, mais chacun son métier. Moi, je ne suis pas dans le bâtiment, je n'y connais rien. Mais notre école, je connais bien. Là, on va prendre direction Saint-Germain. Et Saint-Germain, normalement, c'est à gauche, vous voyez. Si on vous dit à droite, vous prenez à droite. Mais ici, c'est très dangereux. Parce que tu as les voitures qui arrivent de gauche, et ils arrivent de la voie rapide. Donc, ils arrivent vite. Donc, il faut faire attention. Ici, on peut s'engager. On les protégit, on peut laisser la voiture droite passer. Et là, on met un coup d'accélérateur parce que c'est de la voie rapide. Et là, c'est de la voie rapide, ça veut dire qu'il peut rouler à 80-90. On reste bien sur la droite. Ensuite, on s'intègre à gauche en accélérant. Et là, il faut mettre la patte à plat. Derrière, ils arrivent vite. Après, je vais vous l'envoyer, ça. Chacun, je vais l'envoyer sur son WhatsApp. C'est de la WhatsApp. Ça, après, chacun regarde de son côté et il pense comme il veut. Là, c'est la voie rapide pour mettre le cinquième. Normalement c'est 80 parce qu'il pleut. Il faut rester, revenir à droite s'il vous plaît. Voilà, il y a même un radar là-bas. Sorti après là-bas. Normalement avec la pluie ça devrait vous donner la chance. Mais on fait attention parce qu'avec la pluie on voit moins. Ça va vous donner la chance parce qu'on n'est pas obligé de rouler vite, vous comprenez? Mais par contre on fait attention plus que d'habitude. Surtout les contrôles, surtout ici là. La chance, vous passez à 13h30. 13h30, il n'y a pas d'enfant dans la rue. Surtout à l'école. Celui qui passe à 8h, il a des problèmes. Parce que celui qui passe à 8h du matin, à 8h30, il y a l'école. Donc il y a des enfants partout. Celui qui passe à 8h, il peut avoir des problèmes. Avec les pitons. Normalement, ça, c'est un petit village. Il n'y a personne. Ça roule tout seul. Les voitures elles étaient plus petites, c'était MIC. Maintenant c'est large, c'est spacieux, donc la route c'est pas la même. Là c'est des vieilles routes. Ça. Maintenant, c'est là.
on arrive à l'agglomération, il n'y a pas de place pour rouler vite, on roule moins vite, on n'est pas obligé de rouler comme avant. En plus, il y a un rond-point juste après, mais là, il faut faire bien attention parce qu'on peut arriver doucement. Alors, il y a bien à gauche, il n'y a personne, voilà, il y a quelqu'un qui arrive, on laisse passer. Il ne veut pas venir, donc on va laisser l'autre. Il ne veut pas non plus, poula. Là, on part à droite. Mais là, il ne faut pas aller tout droit. Hein. Pour aller tout droit, il ne faut pas aller tout droit. Donc, on va à droite. Là, mais là, ils vont tout droit. Il y a des gens, ils vont tout droit. Tu ne fais pas attention, ils rentrent dedans. C'est barré, vous êtes obligé de tourner à gauche dans le parking. Mais vous ne posez pas de questions, il y a une sortie. La sortie, elle est là à gauche. Là, on va tourner à droite, on va retourner sur le point de départ. On est quoi? Ça fait 17 minutes. Ça veut dire que l'inspecteur a encore 13 minutes avec vous. Ça dure 30 minutes l'examen. En général, il prend pas 30 minutes. Il fait 20-25. Mais 20-25, il ne peut pas faire attention. Ben, 25, il faut faire attention à tout. Ok, là, on revient sur le point de départ. Donc, on va en face, on reste bien sur la droite. Et on mettra ce petit temps en sortant. Voilà, là on revient au point de départ. Et ici quand on rentre première. Ok, mais je rentre pas moi. D'accord, je continue, je vais faire un autre. Là c'est priorité à droite ici, si vous voulez là. C'est sans issue, mais c'est priorité à droite. Là je fais un autre parcours. Là on est obligé de s'arrêter. Personne, on y va. Je vais faire un, il va être un petit peu plus long. Je vais à gauche, je me mets à gauche et je me place à gauche et je reste à gauche. Priorité à gauche, je laisse passer. La culotte à droite pour sortir, très important le contrôle sur le côté. Là c'est 70. Il y en a une autre là-bas, c'est 80. Parce que là on n'est pas en agglomération. Là. Agglomération c'est 50. Hors agglomération c'est 70-80. Et sur l'autoroute 110, 120, 130. On va tout droit, donc on reste bien sur la droite. Ok Alberto, parce que toi, tu étais capable de faire des zigzags. Hein. Des drifts. Eh ouais, non, toi, tu connais, tu es super drift, oui, drift. Comme les Japonais. La priorité à gauche, il n'y a personne, je continue. Mais je reste sur ma droite. Je ne vais pas me promener là-bas, ça ne sert à rien. Garde bien ma droite. Lui, bye bye. Alors ici, c'est 80. La route elle est longue là. Là on monte à 80. Et comme moi j'accélère, c'est comme ça qu'il faut conduire. Hein. Faut pas conduire. Notre tabona. La conduite notre tabona.
Bona à la maison. Avec madame. Il rigole. Voilà, 80, 90, je suis dedans, je suis dans le... Je suis bien là. Par contre, là-bas au bout, il y a un piège. Je vais vous montrer le piège. Parce qu'il ne faut pas vous faire avoir pour ça. C'est une ligne continue, mais il y a des camions, ils peuvent arriver. Vous voyez, regardez, la camionnette blanche, elle est en train de sortir. Même l'autre, derrière. Il va sortir sur mon côté droit. Vous voyez les deux camionnettes blanches, là ? Ben, ils ont la priorité. Ils ont la priorité au bout, là-bas. Pourquoi ? Parce qu'au bout, il y a une ligne continue. Regardez bien par terre. Là où il y a le camion à gauche, là, il y a une ligne. On ne la voit pas, elle est passée. Parce qu'il y en a... Non, on n'a pas le droit de rouler là. Tu vois la ligne, là, à droite, là ? Ici, c'est une ligne. On n'a pas le droit de rouler là. Tu n'as pas le droit de passer comme ça. Par contre, au moment de sortir, il faut regarder s'il n'y a personne. Parce que c'est pas, il y a des camions. Donc on tourne la tête à droite, ici. Et on cherche à droite. Vous avez compris cette ligne-là ? De toute façon, vous allez revoir le film. Et là, c'est 70. Là, on est à gauche, clignotant à droite, on reprend sa place, on va tourner la tête, on reprend sa place. Il va se retrouver comme ça. C'est dangereux la voiture. Hein. En plus, c'est marqué 50 là-bas. Maintenant, c'est 50. Là, c'est priorité à droite, les garçons, là. Tout ce qui arrive de droite, c'est priorité. Hein. On regarde bien, s'il n'y a personne, on y va. S'il y a quelqu'un, on s'arrête, on laisse passer. Mais on regarde derrière, surtout. Noroc, noroc. Noroc, double noroc. Double noroc, hein. Un verre de whisky, double whisky. Ah, t'as fait l'anniversaire hier. Oui. Tu m'as pas dit bien, hein. Ah, tu m'as pas dit bien, Charlie, on va prendre un petit peu le laquelle, là. J'ai de la famille à Vernon, moi. Tu connais, c'est à côté de chez toi, ça, Vernon. Vernon, c'est à côté de chez toi. Ouais, le Vernon, dans l'heure. Oui, habiter un peu. Ouais, c'est à côté. Ici, donc, on tourne à gauche. Faut faire attention, mais ici, parce qu'il n'y a que des priorités, là. Là, c'est une priorité. Ça peut être, mais c'est sens unique. Il n'y a personne qui vient. Mais on regarde quand même. On lâche l'accélérateur. Là, on ralentit. On regarde, il n'y a rien. Là, on contrôle derrière. On regarde à droite. Ça, c'est la croix de Saint-André, là. C'est priorité à droite. Voilà. Charlie... T'es un champion. Voilà. Et voilà. Et lui aussi va passer. Et voici, voilà. Tout le monde, il a la priorité. Moi, il faut un camion comme ça pour aller aux toilettes.
toujours les super couleurs. Pour la peine. Là, au contrôle, on va à droite. Oui, c'est important la priorité. Il ne faut pas être pressé. Dès que vous voyez une intersection, je ralentis. Ils n'ont pas fait la Coupe du Monde, mais bon. Là, contrôle, qui est un gros, je dépasse. Attention, il y a des priorités. En voilà une, peut-être. Je regarde. Il n'y a rien. Voilà. Je vais voler la maison. C'était pour moi, non ? Non, il va visiter. Là, pareil, stop. 1, 2, 3, il y a là, c'est un monsieur, je vais l'assurer, monsieur. Contrôle, il attend, on se passe. On regarde, il n'y a personne, tout le monde. Attends, ils sont tournés à droite, ça veut dire qu'il y a l'intersection. Eh bien, ça, c'est une priorité. Vous voyez, regardez. Priorité à droite. Ça, tu peux te faire avoir pour ça. C'est idiot. Il suffit d'une voiture, hein, il n'y a pas besoin de 50. Hein. Une voiture, on voit plus de priorité. Là, on contrôle aussi. Là, j'ai la priorité. C'est moi qui ai la flèche. Blanche, la plus grosse, c'est moi. Comme j'ai la plus grosse, c'est moi qui passe. Alors, on fait le stop. 1, 2, 3, on fait le stop. Je contrôle, il attend. Attention, intersection. Souvent, quand il y a un passage piéton, il y a une intersection à côté. Déjà, on lève le pied de l'accélérateur devant le passage piéton. Si la voiture, on s'arrête. Ici, on peut aller tout droit, Alberto ? On peut aller tout droit ? Oui, vas-y. Tout droit ? 1, 2, 3, faut pas se faire avoir, vous voyez le sens interdit là ? Il faut vite tourner à droite. Ça, c'est tout ce que je vous ai montré là, c'est ce qu'il y a le plus difficile. Tout le reste, c'est facile. Et là, que là, les pièges. C'est pas un piège en fait. C'est vous où vous créez un piège. C'est à vous de faire attention à la route, c'est tout, il n'y a pas de piège. Là, on a la priorité, mais c'est pas une raison pour foncer. On regarde quand même. Là, ils font quoi les deux, là ? Là, on contrôle. Tiens, train à gauche, on dépasse. On attend quand même, hein. Priorité en face. Ça passe normalement dans WhatsApp, ça. Si ça passe normalement, non? Moi, je vais acheter une caméra pour filmer ça, c'est pas la peine la caméra. Je vais acheter une caméra pour filmer, mais ça sert à rien. Attention, toutes les intersections, c'est dangereux.
On est arrivé par là, on a fait tout le tour. Ça, c'est priorité. Mais ça, c'est pas priorité, ça, c'est idiot, ça. Ouais, sur du garage. Pizza Baba, c'est comme ça qu'on dit. Là, on rebelote, des priorités, attention. Priorité. Ici, il faut bien faire attention. Enfin, en général, quand vous partez, regardez surtout si le feu est vert, il est rouge, hein. Ou il est vert. Là, on attend notre tour, mais peut-être que le feu va changer de couleur entre temps. C'est pour ça que vous regardez devant et vous regardez sur le côté en même temps. Parce que s'il change la couleur, il faut que je reste sur place. Ben, je suis obligé de rester sur place, mais là, ben, c'est rouge. Je ne peux pas tourner. Si je tourne, j'ai créé le feu rouge. Donc, je vais attendre. Non, non, j'ai pas de chance. Le feu rouge, on attend. Vous avez compris, là ? Pour pas vous faire avoir, hein. Oui, ici oui. Ou ailleurs, hein. On démarre, on regarde qu'est-ce qu'il y a. Là, on se prépare. On compte 1, 2, 3, puis voilà, Thierry. Et voilà, on avance. Je suis mal à dire parce que je suis algérien, Alberto. Hein. Je suis algérien, moi. Comme ça, la vie. Hein. Il y a des beaux, il y a des mauvais partout. Hein. En général, il y a beaucoup de mauvais dans la race humaine. Mutu Ameni Rao, c'est comme ça qu'on dit. Hein ? Comme ça qu'on dit. Comment on dit ? En vérité, mais eux ils disaient autoroute, donc il te faut payer la route et tu peux pas par à droite à gauche, hein. Tu prends que cette route là, il n'y en a pas d'autre. Quand tu fais Novi Sad Cégette, puis t'as plus Cégette Belgrade, que de la route comme ça, tu peux pas par à droite à gauche, tu es obligé de passer payer. De la petite ticket
question de 30. Hein. Ça veut dire qu'on roule à 30. Il va dire, il roule trop vite. Alberto. Oui. C'est Alberto, il est bien à vitesse. Ça t'a bien roulé vite, toi. Moi aussi, là. L'autre là-bas, c'est une tortue. Yuri, c'est piano, piano. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Alberto? Le stop. On dit quoi? 1, 2, 3. Voilà, puis va l'Algérie. T'as oublié, puis va l'Algérie. J'ai raté le permis. T'as vu? J'ai raté le permis. Si je fais ça, j'ai raté le permis. Voilà. Moi, si la police m'attrape, il m'enlève 3 points. Ah, mais je suis en train de parler d'autre chose. Tu vois, ouais. Pas parler d'autre chose. Là, c'est priorité à droite. Y'a rien. Pour le plus gros. Ah mais j'essaie de faire vite parce que on va pas passer la matinée à montrer pour conduire un petit peu aussi chacun. On contrôle, on peut aller tout droit Alberto. Ah de la pomme, attention, ça double sens. Donc là rester à droite ici. Contrôle. J'ai fait contrôle. Ça c'est priorité. En poule à municipal. Voilà, contrôle, qui est à gauche, on dépasse. Droite. On dépasse celui-là aussi. Tac tac tac. Tac tac tac. Il est en examen lui. Quand ils sont trois comme ça c'est l'examen. Contrôle. Priorité à droite. Tourne à droite, ça veut dire qu'il y a une intersection, ça veut dire qu'il y a déjà une à droite. Donc là, contrôle, priorité à droite. Et on va à gauche. Et là, vous allez voir, on est déjà passé par là. On est passé tout à l'heure. À gauche, il faut qu'il puisse mettre devant toi. Elle ne peut pas rester à gauche, non. Elle se met devant toi pour t'emmerder. C'est pour ça que j'ai accéléré, pour lui faire peur un peu. Mais là, on revient au point de départ. D'accord. Le centre d'examen, il est à droite, mais moi, je vais pas à droite. Moi, je vais tout droit. Pour vous montrer autre chose encore. Là, je vous montre encore deux choses. Là, on remonte sur le centre d'examen, on remonte sur le centre, et on va dans le centre-ville.
Là, on fait attention, priorité à droite. Attention de tourner, forcément c'est une intersection. Ça c'est le centre-ville. Celui-là, dernier parcours, après on s'arrête. Priorité à droite. Il va où, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il laisse passer les piétons. Je crois qu'il y en a un qui est bien garé, là. Comme d'habitude, il y a toujours qu'un emmerdeur. Il y a quoi là? Ah oui, il est en panne. Il est en panne. Il est en panne. Les Apira. Arrêtez la bière, hein, monsieur, là. Arrêtez la bière. Hein. Bon, on perd le temps là. Ah, il y a un peu rouge, oui, c'est normal. Il y a un peu rouge. Allez, c'est bien. Alberto Yuri, hein. Oui, pour marquer 30, tu roules à 30. Là, on contrôle, on dépasse. Si on peut dépasser, on peut pas dépasser, on reste là. Allez, allez. C'est Negrito, c'est normal. Ils ne pas conduire Negrito. Si on va à droite, t'es encore à droite. Donc on reste bien sur la droite. Alors ici, c'est un petit peu particulier. On va s'arrêter au stop d'abord, et après là-bas, c'est un peu particulier parce qu'il faut sortir à chaque fois à gauche. Et à chaque fois, pour contrôler, mettre au clignotant. On marque le stop, 1, 2, 3, puis va Alberto. Regarde, il y a des petits murs sur le côté droit là. Pour les éviter. Voilà, on contrôle.
droite à gauche. On dépasse et on prend sa place. C'est pas parce qu'il y en a un autre là-bas, on reste à gauche, hein. Au contraire, on reprend sa place. Celui qui a la priorité en face. On contrôle. On contrôle. Et on se remet à gauche. Et on reprend sa place. Allez, la voiture jaune. On contrôle. On se met pas à gauche. Là, on va à gauche. On peut aller à droite si on veut, mais s'il ne nous dit rien, on va tout droit et donc forcément on va à gauche. Et là, on y va. Voilà, je vous ai presque tout montré là. Normalement, vous devez tout savoir. Tout le reste, c'est facile. Priorité à gauche à personne. Et là, on va retourner sur 110 grammes si tu vois. Attention aux intersections. Là, c'est priorité. Alberto, parce que toi t'es jamais venu, toi. T'as enregistré un peu tout. Et là, tu es à droite, tu rentres à droite. Normalement, on n'a pas le droit. Alors, on rentre en première. Ok. Après, il va là-bas, lui. On ne voit pas là-bas.